aborde plusieurs sujets. Donc, on va partir des sujets que je considère futiles à des sujets relativement plus importants. Donc, pour commencer, j'ai quelques petits messages privés à faire passer. Donc, mon premier message est pour Shamdam 9V. Donc, cet individu a tenu des propos inqualifiables. Il s'est permis d'insulter ma mère, d'insulter ma famille. Donc bon, ça, à la limite, je peux lui passer parce que vu ses propos et vu la bassesse de son raisonnement, il n'y a pas à s'étonner. Je ne m'attendais pas à beaucoup mieux venant de sa part. On peut parler aussi de son ami Couscous, qui fume des joints devant la caméra. Je me disais bien qu'il avait le cerveau embrumé et ça explique son problème d'élocution. Donc moi, ce que j'ai prévu de faire, c'est de faire une petite quête pour Shamdam et pour Couscous concernant leur problème d'élocution. Donc ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on se réunisse tous, qu'on mette tous un petit peu d'argent pour leur payer l'orthophoniste, parce qu'il y a réellement moyen d'arranger les choses. Ne vous inquiétez pas les garçons, vous allez réussir à vous exprimer correctement. Donc je souhaiterais aussi qu'on parle un petit peu de Christophe. Alors Christophe va sûrement se reconnaître. Donc pour vous expliquer un petit peu le personnage, c'est soi-disant un antifa qui nous fait des photos avec des cagoules et des battes de baseball. Donc moi ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que quand on n'a rien à se reprocher, quand on ne compte pas faire de délit, eh bien écoutez, on ne met pas de cagoule. Donc bref. Donc il nous met pas mal de choses sur son mur. La dernière bêtise là, c'est... En gros, il a été convoqué par la police. Donc, la police lui a demandé d'amener son ordinateur. Il a poireauté pendant 3 heures, le temps qu'ils examinent un peu son ordinateur. Et ensuite, ils l'ont fait rentrer et ils l'ont félicité pour ses propos en lui disant qu'il avait gagné un abonné. Mais magnifique, voyons. Donc, bon, ou c'est vrai, ou, ben, écoutez, c'est un mythomane compulsif. Moi, je pense que la deuxième... est forcément la bonne, c'est pas possible autrement. Donc il nous marque aussi sur son mur qu'il a un ami policier qui a infiltré des groupes soi-disant fachos et qui lui a donné les codes, etc. Donc moi ce que j'espère c'est que ce policier il a fait ça sur ses heures libres, parce que s'il a fait ça sur les heures de bureau, c'est quand même grave, parce que pour ouvrir ce genre d'enquête, il faut quand même avoir une commission rogatoire. Commission rogatoire, je suis sûre qu'il ne l'a pas. Donc moi, ce que je conseille à ce cher Christophe, s'il veut protéger ses amis policiers, c'est qu'il arrête de publier ce genre de propos. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais bon, il est possible aussi qu'on lance une quête pour lui, pour qu'il ait accès à un psychothérapeute. Bref, donc là aujourd'hui je voudrais qu'on s'occupe de sujets un petit peu plus importants, parce que les médias nous cachent sans arrêt des choses, et là on en a encore un bel exemple. La semaine dernière, on nous a dit qu'un jeune homme de 22 ans s'était fait poignarder pour son téléphone portable, et moi j'ai fait des recherches, on regarde un petit peu plus loin, et on s'aperçoit qu'en fait l'agresseur s'appelle Ali, et qu'il ne l'a pas poignardé, qu'il l'a égorgé. Ça nous ramène aussi aux événements qu'il y a eu à la gare du Nord avec ces militaires qui ont été égorgés aussi. Mais bon, si on écoute les médias, de toute façon, ce ne sont que des déséquilibrés. Donc j'ai l'impression qu'en fait, ils sont en train de nous remplacer les choses, nous faire passer des radicaux pour des déséquilibrés. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Donc certains vont me dire, oui, mais regarde le militaire là, qui vient de se faire arrêter. Apparemment, il voulait tirer sur une mosquée. Donc ben moi ce que j'ai à vous dire par rapport à ce militaire, c'est deux mots: présomption d'innocence. Vous connaissez? Je vais attendre la suite de l'enquête, voir ce qui se passe avant de commencer à porter des jugements, avant de commencer à l'incriminer, parce que nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé dans sa tête. Donc attendons la fin de l'enquête avant de commencer de parler de ça. Donc l'observatoire de l'islamophobie est venu nous dire que c'était inadmissible qu'il y ait ce genre d'homme dans notre armée. Ouais, et ben vous voulez qu'on parle de Mohamed Merah? Donc j'en ai encore certains qui vont venir me dire « Oui mais Mohamed Merah c'est du fake et tout, il a été piégé à la prison break ». Je ne sais pas si vous avez vu le reportage en caméra cachée où il y a sa sœur qui parle, où elle disait que Mohamed avait eu entièrement raison. Moi, je vous invite à aller voir ce reportage parce qu'il est vraiment édifiant. Donc, voilà un petit peu
pour passer là-dessus. On peut parler d'un autre sujet, ça on n'en a pas entendu parler. Moi j'en ai entendu parler grâce au blog d'Alicia. D'ailleurs, je la remercie de m'avoir fait suivre l'info et je remercie aussi les milliers de personnes qui m'envoient des infos régulièrement. Donc, pour vous expliquer un petit peu, c'est des jeunes femmes sur Toulouse. Elles ont décidé d'aller fêter l'enterrement de vie de jeune fille. Donc, la nana qui se mariait était enceinte de 5 mois. Donc, comme pour tous les enterrements, elles ont décidé de se déguiser et d'aller parader en ville. C'est ce qu'on fait toutes. Et elles ont mis un pénis gonflable au niveau de sa poitrine. Moi, je trouve ça drôle. C'est une boutade. Donc, elles ont été se promener. Elles se sont retrouvées sur la grande place. Et là, il y a 5 ou 6 jeunes qui se sont mises à les insulter. Enfin, c'est parti. Donc, il y a des jeunes qui se sont mises à l'insulter et tout. Donc, elles ont décidé d'aller enlever ce fameux pénis. Elles sont revenues sur la place. Et là, elles se sont rendues compte qu'ils étaient passés de 5 ou 6 à une petite vingtaine. Donc, elles ont été prises à partie. On a commencé à les frapper. La femme enceinte aussi. La jeune fille de 16 ans aussi. On leur a tiré les cheveux. Et on a fini par leur dire que c'était des femmes impures. Donc, s'il n'y a pas de souci avec la religion, pourquoi utiliser ce genre de termes? Et il faut savoir que les 8 jeunes hommes qui ont été interpellés avaient entre 8 et 21 ans. Moi, je trouve ça grave quand même. Je peux vous parler de... J'y en a plein comme ça. Donc certains vont me dire, oui, mais de toute façon, tu n'es qu'une bourgeoise, tu vis à la campagne, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne fais que regarder les médias. Donc alors, pour commencer, sachez que tout ce que vous voyez à la télé, c'est quasiment que de l'intox. Si vous voulez des vrais renseignements, venez sur la toile et vérifiez différents sites pour voir si ça concorde. Deuxièmement, je vais vous raconter un petit peu ma vie parce que bon, vu que je suis une grosse bourgeoise, donc pour vous expliquer un petit peu, moi je suis née dans le 20e arrondissement. Ma mère et moi avons été obligées d'aller vivre chez mon grand-père parce que ma mère n'avait pas les moyens de payer un appartement. Donc nous sommes allés dans le 18e arrondissement à Barbès. J'y ai vécu 5 ans. Ensuite, nous avons eu un logement grâce aux services sociaux dans une cité, cité pas forcément bien fréquentée, où j'ai connu des musulmans, où il y avait des gens très très bien qui venaient vous apporter du pain et tout, du tagine, génial quoi. Le problème qu'il y a, c'est qu'avec les années, moi j'ai vu les choses changer et certains musulmans se radicaliser. Le problème que nous, maintenant, on a à l'heure actuelle, c'est qu'on est incapable de faire la différence entre un musulman et un musulman radical. C'est très très compliqué. Quand on regarde l'histoire, l'affaire de Roubaix, on n'aurait jamais pensé que ces jeunes hommes auraient commis de tels actes. Pourtant, c'est la vérité. Au début, ils n'ont fait que se convertir. Ensuite, ils sont passés à la radicalisation. C'est quand même très grave. Donc, je m'aperçois qu'il y a plus en plus de radicaux, que c'est grave, que des garçons même de 8 ans prônent le mouvement radical. Donc, je trouve ça très très grave. Donc, qu'on vienne me parler encore une fois d'islamophobie, moi ça me fait bien rigoler parce que, comme je vous l'ai déjà dit, l'islamophobie ne veut rien dire. Notre peur est légitime, ce n'est pas une phobie. Nous savons ce que nous craignons. Donc arrêtons. Stop maintenant. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout de ce dont je voulais vous parler. Donc je vous invite à réfléchir, à dialoguer. Ah si, une petite dernière chose. J'ai entendu pas mal de rumeurs disant que j'étais une sioniste, que je faisais même partie carrément des Illuminati. Donc je vais vous dire. Je ne fais ni partie des sionistes, je ne suis pas une Illuminati, je ne fais partie d'aucun mouvement, ni les identitaires, ni les nationalistes, je ne fais pas partie du FN, je ne suis qu'une simple citoyenne qui voit les choses changer dans son pays et les gens se radicaliser. Donc arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte, n'écoutez pas les rumeurs. Si vous avez des questions à venir me poser, venez me les poser, il n'y a aucun souci. Par contre, pour ceux qui m'envoient des messages en m'expliquant les versets du Coran, etc., etc., c'est pas la peine. Arrêtez, vous ne me ferez pas changer d'avis de toute façon. Ça fait des années que je vois ce qui se passe, je vois les choses changer.
Donc arrêtez de me parler, d'essayer de me faire croire que la religion de l'islam est une religion de paix et d'amour. Parce que si c'était une religion de paix et d'amour, ça, on ne me l'aurait pas arraché un nombre incalculable de fois. Et pour une religion de paix et d'amour, je trouve quand même bizarre que dans tous les pays qui pratiquent l'islam, il y a la guerre. Il y a la guerre. Les islamistes radicaux veulent sans arrêt prendre le pas sur les musulmans. Donc arrêtez de venir me raconter des bêtises, s'il vous plaît. De toute façon, je ne les écouterai pas. Pour d'autres sujets, je suis ouverte. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et vive la France.